Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 630, nan rubrik nou an, ma bible, mon trésor, nou poursuivons avec la présentation des grandes périodes de la Bible. Présentation sa ap edo comprenne pi clair quelques grandes sections de la Bible. Pour chaque période, j'en te promets toi, nap edo situé à travers le temps. N'a cité quelques faits et événements très importants au cours de cette période. Également, n'a cité pour vous-même quelques personnages bibliques très importants au cours de cette période. Nous t'ai déjà présenté la période de la création, la période patriarcale, la période de l'exode, la période de la conquête. Après cette dernière, nous trouvons la période des juges. Se yon tranche l'histoire nan la vie peuple Israël ki komanse nan l'année 1380 pou termine nan l'année 1100 avant Jésus-Christ. Se nan période sa nou joine quelques informations concernant la vie d'une douzaine de chefs militaires et juges en Israël. L'autre événement qui marque période sa, c'est mariage d'une fille moabite et prière d'une mère et la mort d'un prêtre. Ensemble de histoire sa yo, nap jwenn yo dans les livres des juges de Ruth et 1 Samuel chapitre 1 à chapitre 7. Quelques grands personnages dans période sa c'est Élou, Barak, Déborah, Gédéon, Jephté, Samson, Ruth, Naomi, Boaz, Anne, Élie, Samuel. C'est vrai, période sa pat yon bel tranche d'histoire nan la vie peuple Israël la. Mais nous autres k'ap vi jodi a, nou kapab tire an pile leçon la dan li. Nou konnen deja, Jean Nouveau Testament enseye nou nan Romains le chapitre 15 et le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que nous autres comme petit bon Dieu nou kapab joindre bon Jean instruction pour nous vivre et tendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Après la période des juges, nous trouvons la période du Royaume-Uni. C'est moment côté dans le peuple Israël là, les 12 tribus y ont mis tête yo ensemble, y ont uni. Le Royaume-Uni en Israël a duré entre l'année 1000 et l'année 930 avant Jésus-Christ. C'est dans période ça nous joigne l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Également nous trouvons la triple onction de David. Nous connaissons très bien David, le deuxième grand roi d'Israël. Il était recevoir l'onction royale une fois à Bethléem et deux fois à Hébron. Le roi David pas gouverner les 12 tribus d'Israël dès sa première onction. Ça te prend du temps jusqu'à ce que Livin fait conquête ville Jérusalem. C'est David également qui t'a chercher l'arche de l'Éternel et vient installer lui à Jérusalem. Et l'Éternel t'est passé un contrat à David, lequel contrat disant tu auras toujours un descendant sur le trône d'Israël. Parole ça gagne en pile prophétie là-dedans. C'est au cours également de la période du Royaume-Uni nous rejoindre la construction du premier temple d'Israël. Belle tranche d'histoire ça, nous joignons dans les livres de 1 Samuel chapitre 8 à 31, 2 Samuel 1 roi chapitre 1 à 11, 1 Chronique, 2 Chroniques, le livre des Psaumes, les Proverbes, Ecclésias et Cantique des Cantiques. Parmi grands personnages qui marquent période ça nous joignent Saül, David, Salomon, Joab, Abner, Absalom, Goliath, Bathsheba, Nathan, Jonathan et également la reine de Séba. Nous invitons également à lire quelques textes dans grande période ça pour capable découvrir de par vous-même belle histoire peuple Israël là et également tirer leçon cap important pour croissance vie chrétienne. Et l'ensemble ça est important pour nous rappeler, c'est vrai, ou pas le peuple de Dieu, ou fait partie de l'église, ou c'est chrétien, petit bon Dieu. Mais la lecture de la parole de Dieu
de toute la Bible, li important en pile pour formation ou et pour capable pi bien connaître la personne de Dieu et le projet de Dieu pour votre vie. Nous espérons que vous avez profité de belles petits moments sa yo et entre-temps, nous prenons rendez-vous ensemble avec vous pour notre plus prochain numéro. Merci.